ici Lupina pour un nouvel épisode du Survivé Challenge. Oui, j'ai mis la magnifique coiffure qu'avait Sébastien. Faut que j'arrête de prononcer son prénom, mais j'adore son prénom. Bref, j'ai mis sa perruque parce que j'adore les perruques en fait. Voilà, c'est tout. Oh, le beat guest up. Oh my gosh. Ok, donc je commence à tourner, il y a les chats qui font les cons. C'est génial. Quoi, femme est dans 11 heures, elle va se calmer. Elle a combien? Oh, elle accouche bientôt en plus, cette morue. Alors, on va s'occuper de ce petit monde parce que je sais plus ce que j'ai fait la dernière fois, mais visiblement, je m'en suis mal occupée. Alors, ouvrir, est-ce qu'on a mangé? Oui, on a mangé. Bah, tu vas manger, morue, hein? Oh, pauvre Clémentine. Lui, il a besoin de divertissement, mais lui, il doit faire des toiles. Allez, dépêche-toi. Il va nous faire des toiles, comme ça, on serait tranquille. Mon pépère. Ah, ils ont tous fini leur leçon? C'est bien, les bibous. C'est bien. Ça ne s'arrange pas. Est-ce qu'ils ont des compétences comme il faut? Non. Tu vas aller danser, petit père. Allez, on va danser. Allez, on va danser, toi aussi. Et puis toi, c'est bon, normalement. Du coup, toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire, Germain? Il est quelle heure? Il est 6h du mat. Oh! Bah, ils vont bientôt en cours. Oh, je suis désolée, mon jeu frise encore. C'est chiant. Donc, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est à cause d'origine. Parce que apparemment, il y a d'autres gens qui ont ce problème. C'est un tout petit peu enquiquinant. Donc, normalement, l'autre baleine, elle accouche... plus de respect. Elle accouche pendant ce tapis. Et du coup, on va pouvoir se faire un autre mec. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le ken dans toutes les pièces. Dans le jacuzzi, dans le placard, tout ça, tout ça. Oh, mon portable vibre. Doucement, les notifications YouTube. Hein. Vous vous calmez. Hein. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à mettre des j'aime et des commentaires. Ça me fait trop plaisir. C'est trop mignon. Ça prouve que ça vous plaît. Et que voilà. Bon, après, vous me direz, ça peut plaire sans qu'on mette rien. Hein, mais c'est, ça encourage. Voilà. Et ça me gratte l'œil parce que je crois que j'ai des cheveux dans l'œil. C'est génial. C'est génial. Alors, j'essayais de faire une tresse, mais c'était catastrophique. Est-ce que, si quelqu'un d'ailleurs sait en quoi les perruques sont faites? Les fausses perruques, hein, pas les perruques avec des vrais cheveux. Vous me dites, parce que j'ai aucune idée de quoi, en quoi c'est fait. Je me posais des questions inutiles. Je pense que d'ici à ce que vous me répondez, j'aurais été voir sur Google, mais instruisez-moi, j'aime bien. J'aime bien quand on m'instruit. Du coup, au cas où vous n'êtes pas au courant, je tourne 3 épisodes à la suite. Donc si vous mettez des commentaires et que vous voyez que j'ai pas réagi à vos commentaires dans les épisodes suivants, c'est normal. Parce que je tourne à la suite, du coup, j'essaye de toujours les faire 3 par 3. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est un chiffre qui me va bien, ça fait 1 heure de tournage et c'est tranquille. Alors, Jaco. Mais non, on va pas le faire cuisiner. Si, tiens, fais un gâteau pour quand tu seras grand. D'ailleurs, il y a combien de... T'as quoi, toi? Oh, il va bientôt grandir. Et toi? Ah, oh, vous, non, c'est bon, vous êtes assez, là. Ce serait bien qu'on ait une fille parce que du coup on n'a plus de matriarche et je serais dans la merde. Ah, alors elle peut pas courir sur le tapis de course enceinte mais elle peut jouer au basket. Donc tout va bien dans sa vie, hein, ma petite Clémentine. Elle a besoin de divertissement. Bon bah elle se divertit comme elle peut. Hein. Lui, Bernard, c'est Sébastien. Sébastien! J'adore ce prénom, j'en peux plus. Du coup, lui il fait à manger, c'est bien. Lui il danse. Ah non, 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 on va arrêter de danser, on va aller à l'école peut-être, hein. Bah oui, toi aussi. Allez, on n'a plus le temps de cuisiner, va à l'école. Oh, sale gosse. Hop, allez, dépêche-toi. Bon, on va mettre ça au frigo. Dépêche-toi, vite. Voilà, c'est bon, il est parti. Alors, je vais essayer d'avoir un bébé à l'hôpital. Je vais sauvegarder avant d'avoir le bébé quand on sera en train d'accoucher. Parce que j'ai peur qu'il y ait le bug du bébé dans l'immeuble si je vais à l'hôpital. Donc, on verra. On verra comment ça se passe.
Je pense qu'elle en a qu'un parce qu'elle a pas un si gros bide que ça. Enfin, j'en sais rien, on verra bien. De toute façon, les jumeaux, les triplés, je sais pas comment vous faites parce que moi j'en ai jamais. Voilà, j'ai dû en avoir 3 fois depuis que je joue. Je joue depuis 2 ans. Voilà, j'ai plus de 1500 heures de jeu. Donc bon, les jumeaux, je pense qu'ils me détestent, donc je leur fais des doigts, voilà, des pices. Non, sérieux. Bon, alors, Jacqueline, comment on pourrait la divertir? Oh, elle nous fait chier celle-là, hein. Va regarder la télé, tiens. Regarde la chaîne. Regarde la chaîne pour enfants, tiens. Allez, hop! Oh, ce bidon. Et dire que j'aurais dû avoir des jumelles une fois, mais que mon jeu a planté, du coup, ça n'a pas sauvegardé. C'était génial. Génial, génial, on adore. Et en vrai, le pire, c'est que si j'ai un jour j'ai des jumeaux, je serai toujours en train de me plaindre parce qu'ils sont toujours en train de chialer. Voilà, donc je ne suis jamais contente. Jamais. Jamais, jamais, jamais. La meuf roulou. Bon, as-tu fini ton tableau moche, là? Oh, qu'est-ce qu'il est vilain. Pouah! Bon, ça nous fait toujours ça dessous, hein. C'est déjà bien. Alors. Hop. Ça me gratte, les mecs. C'est cool, hein. Je sais, c'est passionnant. Oh my gosh! Oh, mais j'ai pas assez de sous pour payer les factures! Faut aller se prostituer! Non, avoue la vérité. Voilà. Oui, bah on perd de la performance, mais tricher, ça ne sert à rien, les gars. Il n'a aucun mérite à gagner en trichant. Voilà. La petite leçon de morale du jour. Vas-y, va utiliser, toi. Bon, bah on est dans le caca. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bernard. Non, mais casse-toi en fait. On peut pas la renvoyer. Licencier. Voilà. Vite. Parce qu'on n'a pas besoin de toi. Il faut qu'on aille. Dès qu'il y aura le marché aux puces, faut que je surveille. Mais il y aura des fruits. Je crois qu'il est déjà passé malheureusement. Mais il y a des fruits. Ils vendent là-bas. Non, pas le marché aux puces, n'importe quoi. Le truc des épices là. Le concours des épices. Faut qu'on y aille parce que dans les pots, j'ai vu, ils mettent des fruits. Des fruits super rares. Genre le fruit du dragon. Et là, ça va être bien, les mecs. Là, on va se mettre bien, je pense. Qu'est-ce qu'ils ont Oh! Mais foutez-moi la paix. Tiens, on va le mettre en rouge. Oh, c'est moche. Pouah, 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 pouah. Et toi, on va mettre en bleu. Parce que Sébastien adore le bleu. Et je me suis trompée de touche. Nii. On va mettre comme ça. Voilà. Non, c'est pas assez bleu. Il faut un bleu turquoise. Ouais, bah c'est pas très turquoise tout ça. Hein. Bah tant pis, hein, je peux pas faire mieux. Si t'es pas content, c'est pareil, voilà. Je crois que j'ai terminé. Ah mais elle va où elle? Elle va la licencier. Voilà, c'est bon, ne viens plus. Ne viens plus chez nous. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. La bise. C'est quoi ça? Laisser un mot positif. S'informer sur le festival, tiens. Ça peut être bien. Alors, voyons voir. Convention geek. Bon, on s'en fout. On s'en carre la nouille. On s'en carre le fion, comme j'avais sorti une fois. La poésie. Je suis la poésie. Non, mais toi aussi, dégage, on n'a plus de sous, donc. Licencié aussi. Allez, hop, va licencier! Dépêche-toi, Clémentine! Voilà, au revoir. Voilà, non mais pour toujours, hein. Attends, attendez, je vais appeler les services là. Parce que je veux plus qu'ils viennent. Annuler service de jardinage, voilà. Appel, morue. Quoi d'autre? Donc c'est bon. Oh, payer les factures, on n'a pas assez, les gars. On est dans le caca. 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 Ce serait cool s'il y avait des trucs à récolter, mais visiblement, il n'y en a pas. Si, il y en a! Ah! Peut-être que. Peut-être qu'il faudra m'expliquer comment elle passe à travers les. C'est pas grave. Allez, vas-y, récolte tout, ma poule. C'est des murs en plus, donc ça va valoir cher, mais. Que 18! Oh là 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 là. Bon, bah. C'est presque ça, hein. Sébastien! Va faire des toiles! Oh! T'es un sale gosse! Dépêche-toi! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais dépêche-toi!
Oh là là, quel troufion. Et toi, ma cocotte? Oh, elle a grave envie de dormir. Bah attends, déjà, tu vas manger un truc. Ou préparer à manger, tiens, préparer un truc. Cuisiner. Cuisiner, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Y a pas un truc végétarien là, j'ai envie. Pardon, soupe de palourde. Ok. C'est pas du tout végétarien, mais bon. Hop. Allez, go, ce serait bien que t'accouches d'une petite fille pour changer. J'ai aucune idée de comment l'appeler, mais c'est pas grave. Ça bug. Donc je pense qu'elle est en train d'accoucher ou que les gosses vont entrer. Non, bah je sais pas, ça a juste buggé. C'est génial. J'espère que vous m'entendez quand même quand ça bug. J'ai toujours pas vérifié. Puis, quel truc, je vous dis. C'est pas sérieux tout ça, hein. Allez, Clémentine. Dépêche-toi, ouais. Dépêche-toi. Ah, bah c'est bon, Alexis peut grandir. Donc Alexis, il dégagera au prochain épisode, je l'enlèverai. Juste garder Seb. Du coup, tu vas mettre des bougies. Je suis désolée, je crois que j'ai fait un bruit de bouche assez ignoble. Excusez-moi pour ça. Allez, hop, fais tes devoirs. Non, attends. Commencez une réunion déjà. Du groupe Pénélope, j'ai vraiment appelé ce groupe Pénélope. Tout va bien. Allez, faites vos devoirs ensemble. Non, mais pas toi. D'ailleurs, tu t'en vas du groupe. Tu t'en vas du groupe, j'ai dit. Comment on fait pour quitter le groupe? Voilà. Hop. Et bah, soufflez les bougies. Allez, zouzou. Zouzou patate. Et voilà! Un adulte. Allez. Brrr. Romantique. D'accord. Bah pourquoi pas, hein. Donc tu vas prendre une assiette et tu vas aller regarder la télé. Ou regarder un film, Massacre clair de lune. Ensuite, toi, mon petit Alexis, tu vas prendre une douche et après, bah, après, tu feras tes devoirs supplémentaires. Et toi, ça va super, donc tu feras direct tes devoirs supplémentaires. C'est Edouard, hein, je crois. Oui, c'est Edouard. Edouard! Oh, qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, Clémentine a grave envie de faire pipi. Vite! Vite au cabinet! Vite! Utiliser se faire masser. Allez, go. Dépêche-toi. Bah oui, mais dépêche-toi! Allez, plus vite. Bon, lui, il est parti aux toilettes. Encadrer et vendre un collectionneur. Non, Kira, on n'a pas le temps, désolé. Alors, du coup, studio, je crois que t'es pas encore rambé, hein. Ouais. Donc, bah, c'est pas grave. Tu vas. Il va plutôt bien, donc on va le faire danser. Comme ça, il va gagner des facultés motrices. Et toi, mais va faire pipi, patate. Divertis-toi aussi. Je sais pas, mais regardez un film, faites quelque chose. Hein. Est-ce que tu peux jouer avec Seb? Voilà. Joue avec Seb. Le temps qu'il fasse pipi. S'il veut bien se dépêcher. Oh, ma pauvre. T'es crevé, va te coucher. Il est quelle heure là? 17h. Oh, mais t'évanouis pas, je t'ai dit d'aller te coucher. Pff. Bon, bah, évanouis-toi, c'est très intéressant. Et l'autre, il s'est pas lavé. D'accord, donc ça recommence les bugs. C'est génial. Ils écoutent pas. C'est chiant ça, hein. Hop, du coup.
Édouard. Alors, après, vous allez aller manger. Ce serait pas mal. Mangiare. Oh. Toi aussi. Bah, toi, tu vas te coucher, hein. Toi, tu vas manger. Allez, go. Ça monte pas vite, hein. Oups. J'espère que ça périme. Il reste combien de temps? 6 heures, ça va. Allez, il est parti se coucher. Vous pourriez pas vous mettre tous ensemble? Comme une famille normale. Bah tant pis, hein. En plus, vous avez besoin de parler, tu sais. Bah, Sébastien, il est quelle heure? Il est 19h, tu peux appeler tes sœurs. Voilà. Appelle tes sœurs. Du coup, toi, mon petit loup, tu dois encore faire ton travail supplémentaire. Et toi, Edouard, tu peux aller te coucher. Hop. Au lit. Au lit, pain d'épices. Si, si, du coup, c'est celui-là, je crois. Je sais plus. Lui, il dort. Et Seb, tu es en train de discuter avec ses sœurs et ensuite il ira dormir aussi. Ce serait bien qu'elle accouche l'autre parce que c'est bientôt la fin de l'épisode là. Allez, c'est bon, on va te coucher. Elle est censée accoucher dans cet épisode, hein. Mais dors toi, patate. Oh là là. Voilà. Bon. Du coup, je sauvegarde. Je sauvegarde. Oula, non, pas sur cette sauvegarde-là. Je sauvegarde parce que. Au cas où ça bug avec le bébé. Oh, pardon. Et je vais aller avoir mon petit bout à l'hôpital. Ensuite, on invitera Michael pour lui faire des bébés. Alors, allons-y. Allez, non, pas ici, pas ici, pas ici. Non, pas ici! Va à l'hôpital! Ouais, avec la faucheuse. Oh zut, je crois qu'elle va accoucher ici, les mecs. Bon bah, désolé, elle accouche ici. L'épisode nul. Du coup, on n'aura pas son. On n'aura pas son faire-part là. Ben, je titrerai pour en avoir un. Ah, ça m'embête. Ça m'enquiquine. Alors, c'est encore un garçon? Oh! Mais comment je l'appelle? Oh là là. Bah, du coup, j'ai pas d'idée, les gars. Un garçon. Je vais l'appeler Robineau, voilà. Ça a bugué ou... Non. Non, mais dites pas que ça... Alors, attention, vous allez avoir un son très fort dans vos oreilles que je mettrai au montage, là. Bah du coup, c'est y a que des mecs dans cette famille. Comment on l'appelle? Jean-Phil. Mais non. Jean-Phil. Ok, je l'appelle Jean-Phil. Oh my god. Oh, des jumeaux! Enfin! J'ai mis. Attendez que ça n'avait pas bugué. Oh, j'ai eu peur. Elle va à l'hôpital. C'est trop tard, Moru. Ils sont nés. Trop tard!
Et ce serait trop drôle qu'il y ait un bug et que et qu'elle réaccouche. Ça m'étonnerait, mais bon. Oh, des jumeaux, je vais mettre le son. Alléluia! Oh, enfin! 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 Et elle est quand même à l'hôpital avec la faucheuse. Hein. Moi, je dis, t'as la classe ou tu l'as pas. Hein. Du coup, c'est qui leur père? Je crois que c'était Wolfgang. Parce qu'on l'avait fait au moins 5 fois, si vous vous rappelez bien, dans tous les recoins du. oui, c'est vrai qu'aller avec la mort à l'hosto, c'est pas. Peut-être pas très. Enfin, bref. On a des jumeaux, on a des jumeaux, on a des jumeaux. En même temps, j'ai mis le trait plus de chances d'avoir des jumeaux, donc je sais pas si c'est ça ou si c'est vraiment un coup de bol. Mais là, mes JPP, les mecs, hein, je fais dans mon futal, hein, je suis trop contente. Je suis trop contente. Par contre, ce chargement qui met 15 ans, ce serait bien que tu arrêtes de charger, petit. Voilà. Mes jumeaux, ils sont bien là, hein. Il y a bien les deux. Il y en a un là. Il y en a un là, c'est bon, ils sont déjà en train de chialer, tout va très bien. Ah, bah ça c'est bien, vous voyez? Ah bah je suis contente. Il y en a un qui est mat et l'autre qui est blanc comme un cul. Tout va bien. Tout est logique, surtout que Clémentine est assez claire, enfin je sais pas. Du coup, je vais regarder qui est le papa. Le papa, c'est Wolfgang, ouais c'est ça, donc ils ont bien tous les deux, eh ben écoutez, ils ont bien pécho, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va essayer d'inviter Michael, mais je ne pense pas qu'il accepte, parce qu'il est un peu tard, et sinon je le copulerai dans l'épisode suivant. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. Arrête de me chatouiller. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais what? Appuyez pour faire parler. Ah, je savais pas qu'il y avait ça, t'appuies sur la main et ça fait du. Ok, d'accord, tout va bien. Tout va bien. Du coup, est-ce qu'il vient, Michael? Oh, il arrive! Oh oui, Michael! Oh! Il a grandi, lui, ou pas? Je sais même pas. Oui, c'est bon. Donc, du coup, je le tégerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, j'ai perdu le compte là. Il y en a 7. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse ici. On revoit Michael et la copulade dans l'épisode suivant. Je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine. Salut!